Bonjour tout le monde et bienvenue sur Marty Cuisine. Aujourd'hui, on va se faire un petit cake salé, chorizo, olives, tomates séchées et feta. Je vous montre les peser tout de suite. C'est parti! Pour cette recette, vous aurez besoin de 100 g de feta, 150 g de farine, 50 g d'olives vertes, 120 g de chorizo, 90 g de tomates séchées, 4 œufs, un sachet de levure et 10 g d'huile. Commencez par mélanger la farine et la levure au fouet avant d'y ajouter les œufs et l'huile. Mélangez jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et homogène. Coupez ensuite le chorizo en petits morceaux en enlevant la peau. Faites de petites rondelles avec les olives. Coupez les tomates séchées en petits morceaux. Et finissez par la feta en petits cubes. Mettez la feta, le chorizo, les tomates séchées et la moitié des olives vertes dans la pâte. Déposez la pâte dans vos moules à cake et finissez par le reste des olives vertes. La cuisson se fera à 180 degrés pendant 20 minutes. À la sortie du four, piquez vos cakes avec un couteau pour vérifier la cuisson avant de les poser sur une grille pour les faire légèrement refroidir. Et voilà pour ces petits cakes moelleux que vous pourrez déguster chaud ou froid. Vous pourrez aussi les préparer d'avance et les congeler. Mais si vous les décongelez, il faudra les flasher 2 à 3 minutes au four. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. On se retrouve bientôt. Ciao!